La France racontée aux enfants. Le château de Castelnau au Moyen Âge. Au début du XIIIe siècle, Castelnau appartient à Bernard de Casnac, un puissant seigneur qui possède plusieurs châteaux dans la région. Il a adopté la religion cathare et il combat avec férocité les catholiques. On raconte qu'il leur coupe les pieds, les mains et leur crève les yeux. Pour mettre fin à l'hérésie cathare, le pape ordonne une croisade. À sa tête, un chevalier venu du nord, Simon de Montfort. Il s'empare du château de Castelnau. Bernard de Casnac n'a pas dit son dernier mot. En 1215,